Coucou YouTube, comment ça va aujourd'hui? Alors moi, ça va pas du tout aujourd'hui. Ça va du tout. Premièrement, il fait moche, il pleut. Et deuxièmement, j'ai poussé en fait un petit coup de gueule. Donc, je suis désolé si vous n'êtes pas concerné, mais en tout cas, ceux qui le sont se reconnaîtront. Et je pense que je ferai bien prochainement une vidéo, au-delà des vidéos d'aide, etc., une vidéo sur la bienséance, sur la politesse, sur le bon comportement qui va dans les deux sens. Je suis agent immobilier, je fais régulièrement des visites, des rendez-vous. Vous, en tant que locataire potentiel, alors pour les ventes, c'est pas le cas, mais c'est vraiment que pour les locations. Locataire potentiel, chaque fois, vous vous plaignez, en fait, d'avoir des visites avec 30, 40, 50 personnes, de ne pas être rappelé, de ne pas pouvoir visiter, de ne pas avoir de suite dans vos dossiers. Moi, je rappelle tout le monde. J'envoie des SMS à tout le monde. Je fais mon maximum. Et j'ai des lapins. J'en ai encore eu un hier. Des retards. Un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure de retard. J'envoie des messages, des SMS, parce que j'en appelle, on m'envoie un message. Je suis intéressé, je veux absolument visiter, c'est l'appartement de mes rêves, je veux absolument. Et puis derrière, pas de réponse. J'envoie un petit SMS en disant, allez sur YouTube, regardez la vidéo, donc celle-ci en l'occurrence. Comme ça, vous verrez comment est l'appartement, ça vous évitera de vous déplacer pour rien. Vous, comme moi, on a tous très peu de temps pour nous, surtout sur Paris, où c'est quand même assez compliqué. Et j'ai pas de réponse au SMS, même pas un petit SMS qui dit « Non, désolé, ça me convient pas » ou « Non, je trouve autre chose » ou « Merci monsieur, mais ça me correspond plus ». Ça prend 15 secondes. Non, j'envoie un SMS de rappel, est-ce que vous êtes toujours intéressé? Toujours pas de réponse, un troisième SMS? Franchement, c'est vraiment un manque de respect. Donc si vous voulez être recontacté et être considéré, comportez-vous avec autrui comme vous aimeriez qu'on se comporte avec vous. C'est comme ça que moi je travaille, c'est comme ça que moi je vois les choses. Moi, je me comporte avec vous, avec tout le monde, comme j'aimerais qu'on se comporte avec moi. Je rappelle tout le monde, je réponds à tout le monde, à des heures des fois tardives, même très tardives. Franchement, c'est pas compliqué de faire un petit SMS et de répondre. C'était le coup de cœur du jour et il y aura une vidéo là-dessus. Parce que sincèrement, si je commence à être rigide et à blacklister tous ceux qui ne me répondent pas, ça va faire très mal. Parce que des fois, j'ai des pépites. Chaque personne qui me contacte qui ne répond pas, eh bien, blacklister. Ça sera une sélection comme une autre. Blacklister pour celui-ci, blacklister à vie dans mon agence. C'est-à-dire que si demain, il y a un petit studio avec terrasse, ah, et c'est celui que vous voulez, mais que vous m'avez mis un lapin ou vous ne m'avez pas répondu en fait, dans le passé, ben, ça ne sera pas pour vous. Je vais commencer à être comme ça parce que sincèrement, je commence vraiment à en avoir marre. Alors oui, ce n'est peut-être pas forcément le lieu pour le faire, je le fais maintenant. Ce petit morceau-là, je vais peut-être le réutiliser dans le futur, mais sincèrement, il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte. Vous pouvez le voir, je suis quelqu'un de très gentil, de très sympa, regardez les avis sur Google, je suis au top, je suis vraiment au top. J'ai 160 avis Google positifs, j'en ai 300 en fait en tout. Les propriétaires, les locataires, les acheteurs, les vendeurs m'adorent et je fais mon métier avec amour. Mais sincèrement là, ces derniers jours, je suis dégoûté. Hier, j'ai passé 3 heures à attendre sur des retards et des lapins. Mon temps, c'est ce que j'ai de plus précieux. Je ne peux pas le racheter le temps. Et plus le temps passe, moins j'en ai. Donc ouais, soyez respectueux des autres.